Toujours plaisir de visiter une ruche et de trouver une cellule royale. Je ne sais même pas d'où elle vient. Thank you.
Donc la reine a été resserrée, enfin, la colonie a été resserrée sur 6 cadres. Donc en fait, je comprends pourquoi la population avait beaucoup diminué. En fait, elles ont choisi de faire un remérage. J'en connais pas la raison parce qu'à ma connaissance, la reine était bien. Certainement qu'elle a dû s'arrêter de pondre. En tous les cas, il y a dû avoir un problème quelconque. Donc elles ont choisi de la remplacer, mais je pense que c'est beaucoup trop tardif. Donc ce remérage tardif, j'y crois pas trop. Apparemment, il y a de la ponte, mais j'ai aucun moyen de savoir si les œufs sont fécondés pour le moment. Donc je vais nourrir, j'ai partitionné et puis je vais nourrir au candi de manière à la stimuler doucement. La population est pas mal sur 6 cadres, mais je ne donne pas cher de sa peau sur le long terme et sur cet hiver. Si le temps le permet, je visiterai dans une quinzaine de jours par une belle journée d'automne. Alors, voyons la voisine. Alors, voisine qui était également un petit peu dépeuplée. Il y a encore un peu de candi. Ça va. Bon, celle-ci, ça va. Elle a été resserrée. Je vais la resserrer encore un petit peu. Donc j'ai un cadre qui ne sert à rien. Nous pourrons remettre à la belle saison.
Donc sur cette colonie, alors nous avons du coup 20 mâles hein, dans des cellules d'ouvrières. Et en fait, vu la taille des mâles qui ont commencé à naître, on voit que ce sont des bourdons de rennes. Et donc c'est une colonie qui est bourdonneuse, mais à cause d'une reine mal fécondée. Encore une, hein, c'est déjà ma deuxième reine mal fécondée à cause de la météo, que je remarque depuis quelques jours. Enfin, donc là, il n'y a rien à faire. Et de manière à ne pas la perdre bêtement, je vais la secouer pour que la population puisse profiter aux autres ruches. Alors avant de secouer, on enfume énormément de manière à ce que les abeilles puissent se gorger de miel. Et puis ensuite on secoue relativement loin du rucher. Ça permettra à la reine qui est mauvaise de ne pas retrouver le chemin de la ruche. Elle sera trop lourde. Elle mourra. Et puis toutes les butineuses chargées de nectar vont se faire accepter dans les autres ruches. Alors ça tombe bien puisque autour, les colonies ne sont pas remplies d'abeilles. Donc ça fera un renfort assez sympa. On voit qu'il commence à y avoir des butineuses qui vont se faire accepter, vous voyez. Voilà. Dans la ruche que nous venons juste de resserrer. Voilà. Bon, je vais faire ça. Je vous laisse là. Salut tout le monde!